Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY de Noël et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie bougie. Comme d'habitude, vous retrouverez l'intégralité de la recette formulée en pourcentage et aussi en grammes sur le site kellybeauty.com. La première étape de cette recette consiste à constituer la base de la bougie, c'est ici 50% de cire de soja auquel j'ajoute 40% d'acide stéarique. C'est facultatif, mais j'apporte un petit peu de couleur avec 1% de mica. Je place l'ensemble de ce mélange au bain-marie jusqu'à une fonte parfaitement homogène et il ne me reste plus qu'à ajouter ma synergie intitulée Magie de Noël et je vais l'incorporer à hauteur de 8% dans cette recette. Vous retrouverez tout le détail précisément avec les dosages des différentes huiles essentielles et fragrances utilisées sur le site. J'utilise donc les fragrances Chamallow, Popcorn et Barbe à Papa auxquelles je vais ajouter le mélange d'huile essentielle suivant. Cannelle, bois de siam, clou de girofle, poivre noir et orange. Que la synergie est prête, je vais simplement utiliser un pot dans lequel je fixe une mèche en bois pour avoir ce petit côté crépitant tellement agréable. Une fois que c'est fait, je mélange ma synergie parfumante à la cire fondue et je vais ensuite couler la préparation dans différents contenants. Vous pouvez bien sûr adapter en fonction de ce que vous avez sur la main. Pour finaliser, une jolie étiquette et le tour est joué. Attention, je vous invite à bien vous renseigner sur la confection de bougies. Vous avez déjà disponible sur la chaîne des tutos à cet effet. Si pour une raison ou une autre vous avez envie d'enlever un des ingrédients de la synergie, faites bien attention, il vous faudra dans ce cas refaire tout le calcul pour bien vérifier le point éclair. J'espère que cette nouvelle idée cadeau vous a plu, si tel est le cas, faites-le moi savoir, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire, soutenez-moi en likant la vidéo et aussi en la partageant auprès de vos contacts sur tous les réseaux sociaux. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être toujours averti des nouveaux DIY. À bientôt les câlinettes.